Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, ce sera Bullet Journal. Je vous ai posé la question sur Instagram, savoir si vous étiez intéressé par une vidéo Bullet Journal. Vous m'avez dit oui. Donc, le voici. Cette vidéo va être en trois temps. Première partie, pourquoi je me suis remise au Bullet Journal. Deuxième partie, la présentation de ce Bullet Journal. Et la troisième partie, la mise en place qu'on va faire ensemble pour février. Donc nous sommes mi-janvier. Mais le temps de faire la programmation et tout, je voulais que cette vidéo paraisse avant début février. Du coup, pourquoi je me suis remise au bullet journal? Alors, il y a des années, enfin des années, 2016. On est quand même en 2019. J'avais déjà été au bullet journal. Donc, je vous le montre. Attention, c'est un vestige. Il a souffert, il a vu beaucoup de choses. Donc, c'était le premier qui a commencé en septembre 2016. Donc, c'était surtout, vous voyez, c'était un cahier tout basique, le moins cher. Donc, vous voyez, c'était vraiment. C'était surtout pour traquer tout ce qui est les chroniques de mon blog littéraire, donc, qui s'appelle Hooken on the Book, comme vous pouvez voir. Pour les mordus de lecture comme moi, je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où vous souhaitez visiter le blog ou même l'Instagram spécial dessus. Donc voici, c'était vraiment tout basique, c'était vraiment le tout départ du bullet journal. Ensuite, donc je suis restée jusqu'à il y a à peu près un an et demi où là je suis passée au Happy Planner suite à des vidéos que j'avais vues de jolies choses et j'ai beaucoup aimé. J'en ai eu, j'ai fait le grand format, j'ai fait le petit format. J'en avais un spécial pour la maison, j'en avais un spécial pour. Le blog, sauf que YouTube s'est rajouté et malgré que j'avais prévu de continuer dans le Happy Planner, bah, tout simplement j'ai commencé à faire juste un bullet pour rejoindre YouTube et le blog ensemble et je voulais faire dans le planner la maison et en fait ça m'a un petit peu pris la tête d'avoir deux bouquins. Et normalement, un bullet journal c'est censé justement rassembler tout. Du coup, j'ai laissé tomber ce que j'avais préparé du bullet spécial YouTube et blog et j'ai fait celui-ci. Donc j'ai pris un cahier tout simple de chez Toga, donc j'ai dû le payer. Je vais vous le mettre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai dû le payer 7,90 je crois. Donc il est à petits points. Les feuilles sont assez épaisses. Alors par contre, tout ce qui est stylo à alcool vaut mieux éviter. Moi, je sais que j'ai voulu essayer au départ mes DB brushes. Ça a tendance un peu à transpercer. Pas top top. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'utilise. Je ne sais pas dessiner du tout. Je suis nulle. Autant je touche un petit peu à tout maintenant dans ce qui est scrap. Mais alors, dessiner, je ne sais pas du tout. Donc, j'utilise des washi. J'utilise des tampons. J'utilise des pochoirs. Donc, pour ce qui est pochoir, j'utilise cela. Donc, j'avais acheté ça sur Amazon. Pareil, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si je le retrouve. Donc, il y a vraiment tout pour un bullet journal, même pour si les personnes veulent faire plus compliqué que moi, puisque je vous rappelle que le mien est très très simple. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour. Je suis désolée. Ensuite, oh, je suis malade du coup. J'utilise d'autres sortes de pochoirs. Donc, j'utilise aussi ceux-là. Donc, j'en ai plusieurs types. Hop là, là, vous n'allez pas bien voir. Je suis nulle en tout ce qui est calligraphie. Mon écriture est très très moche. Donc, du coup, j'utilise beaucoup ces pochoirs-là pour pouvoir justement avoir une plus jolie écriture. Ensuite, niveau matériel, qu'est-ce que j'utilise d'autre pour tout ce qui est faire dans mes journées ou bien ma mise en place, j'utilise tout ce qui est les stylos Faber-Castell.
Donc j'ai même investi dans le S rouge. Je me suis trompée, j'ai pris le B bleu. Du coup, désolée. Faut que je rachète un S en bleu. Donc j'ai toutes les tailles en noir. Et j'ai pris le SB en gris clair pour tout ce qui est ombrage. Donc j'utilise ceci. J'utilise pour mettre de la couleur toute ma panoplie de stylos de Papermate. Donc franchement, je les ai toutes. Hein. Ma trousse, ça ne ferme même plus tellement que je les ai et je les adore. Ça met de la couleur, j'aime beaucoup. Donc j'utilise ceci. J'utilise aussi ma gamme de crayons de couleur. Donc c'était un lot que j'avais acheté sur Amazon aussi, je crois. Et il y a vraiment toutes les nuances. Donc voilà, j'utilise aussi un petit peu de stickers de chez Mambi, puisque j'ai encore beaucoup de blocs, et du coup autant les utiliser un petit peu dedans. Donc je les utilise très peu, mais je pense les utiliser un peu plus. On n'a fait que janvier pour le moment. Et ensuite, j'ai énormément de tampons, c'est pareil qu'ils ne me servent quasiment jamais, spécial bullet journal, ainsi que ces deux-là que je ne me sers jamais et que je pense revendre. Désolée, j'ai oublié de mettre en silencieux encore une fois. Donc voilà pour ça. Je pense que je vous ai tout présenté un petit peu de ce qu'on va utiliser. Maintenant, je vous montre mon bullet journal. Donc la couverture, je l'ai faite avec la collection. Alors l'effet bois, c'est d'un bloc de chez Action. Et non, je dis des bêtises parce que c'est pas l'effet bois, c'est tout directement. Donc en fait, ça vient de la collection de Sample Story Bliss. Donc voilà, j'ai rajouté du washi ici. Donc d'ailleurs, je vais remettre un coup de scotch parce que la jointure se décolle. Donc vous aviez déjà l'élastique, donc qui me sert quasiment pas pour le fermer, mais plutôt pour me maintenir à ma page. Donc nous avons des taches de café. Je vous montre la cata. Déjà, j'ai fait la boulette de renverser mon café sur mon bureau et du coup il y avait le bullet qui était là. Donc mon bullet journal avec ici mes clés, donc tâche, reporter, fait, annuler. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais hop là, zoomer un peu, hop. Voilà, donc les tâches à faire, un point, reporter quand c'est fait, quand c'est annulé, en rendez-vous, si je dois aller acheter quelque chose, pas les courses de la journée, hein, ça... si c'est quelque chose d'important, alors, et le R, c'est pour mes réceptions de service presse que je reçois, donc du coup, dans le cadre de mon blog littéraire. En bleu, en noir, tout ce qui est personnel, et en bleu, donc j'ai marqué pro, mais c'est tout ce qui concerne YouTube et le blog. J'ai décoré avec des tampons. Ensuite, j'ai fait mon calendrier 2019, donc là, vous avez toute l'année directement rassemblée en une seule page. Ici, j'ai fait mon calendex donc en deux pages. Une page, je trouvais ça trop serré, j'ai tendance à écrire assez gros. Donc ici, j'ai répertorié, donc vous voyez les petits points roses pour les anniversaires. En violet, les vacances. En rouge, les jours fériés. Vous voyez ici. Et là, vous voyez, c'est parce que j'avais prévu le cinéma. Je mettrai peut-être quelques petites choses au fur et à mesure de l'année, surtout les choses que je veux me rappeler, puisque vous allez voir, je ne fais pas de tracker. J'ai réessayé encore une fois ce mois-ci, ça a été la cata. Du coup, je ne fais pas de tracker, mais les choses qui sont assez, qu'on va dire, on va faire une fois tous les deux mois, un mois, du style faire une couleur dans mes cheveux, je ne le fais pas tous les mois non plus. Je viendrai le rajouter dans le calendex, comme ça je pourrais quand même m'en souvenir sur une vue d'ensemble. Donc voilà pour les deux parties. Ensuite, vous avez les anniversaires. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu style gâteau d'anniversaire. J'ai peut-être dû mettre des petites bougies à voir. Donc, voilà. Donc, janvier à juin et de juillet à décembre. Ensuite, ici, nous avons les sorties livresques, partie 1. Donc, c'est comme les petits logs. Mais ici, ce sont que les livres qui doivent sortir et où j'attends la sortie. Et comme vous voyez, j'ai même pas mis à jour puisque celui-ci, je l'ai reçu et je l'ai lu. Et les trois autres, les deux autres là, je les ai lus. Je les ai reçus mais je les ai pas lus.
mais je viendrai les mettre plus tard. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, donc d'où les feutres Papermate. Du coup ça met de la couleur. Ensuite ici, service presse, donc ce sont les livres que je reçois et que je note. Donc ici, vous voyez, pour en janvier, j'ai déjà reçu 4 livres des éditions J'ai lu. Donc je mets une petite croix dans le carré. Hop là, je vous montre. Une petite croix dans le carré quand je l'ai lu. Et comme ça, je peux avoir un suivi de me dire, oh, celui-là, il y a un bout de temps que je l'ai eu. Il va peut-être falloir que je pense à lire. Donc voilà. Sur chaque page, vous pouvez voir ici, j'ai mis un petit washi vert. Donc c'est pour quand je ferme, je me dis, tiens, ici, ce sont tout ce qui est un peu tracker. Donc voilà. Ici, j'avais envie de décorer. Donc c'est dans un Happy Mail, il y a. Donc en fait, j'ai marqué tout ce qui est de base dans un Happy Mail, tout ce que je mets. Après, je rajoute toujours plein de petites choses, des trucs, des idées qui me passent par la tête, que j'ai vu sur, sur Pinterest ou autre. Mais au moins, comme ça, je me dis, soit je vérifie à la fin ou alors au crayon à papier, je me dis, bon, le contenant, je l'ai fait. La rosace, je l'ai mis. Désembellissement. Oh, zut, j'ai pas fait. Sauf que je viens de voir que j'ai pas mis de S. Je suis très nulle en orthographe. Donc, excusez les fautes. Donc, voilà, en fait, à quoi il sert. Ensuite, ici, sont mes vidéos YouTube. J'ai caché, parce que j'en ai déjà plusieurs idées. Donc, du coup, voilà. Et je viendrai les colorier en rouge au fur et à mesure que je les ai fait. Donc, au bout d'un moment, j'arriverai au bout. Je referai une autre page par la suite. Ici, vous avez les films à voir. J'ai déjà vu un film. Là, j'ai mis les Marvel. Donc, c'est tout un ensemble, parce que je veux refaire ce que je suis en train de faire, d'ailleurs, de reprendre tous les Marvel dans l'ordre, puisqu'il y en a que je n'ai pas vu, il y en a, je me suis dit, mais mince, pourquoi? Du coup, j'ai décidé de tous les reprendre à zéro. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai même mis Venom ici, alors qu'il fait partie des Marvel. Donc ici, ce sera les séries à voir, mais je n'ai pas encore d'idée pour les décorer. Donc je voudrais me mettre à jour dans mes séries, et du coup, je vais venir les installer ici, quand j'aurai fini les Marvel, et que j'aurai trouvé comment décorer ma page. Ici, alors vous avez deux wishlists. Vous avez ma première wishlist diverse. Donc vous voyez, je veux une cinch, une centrale vapeur. Au fur et à mesure que je voudrais des petites choses, je viendrai les rajouter et colorier pour mettre de la couleur au fur et à mesure que j'aurais eu, que je me serais payé cette petite chose. Je voulais faire au début des dessins. J'ai essayé de faire dessiner une cinch. Je me suis fait peur toute seule. J'ai gommé. J'ai dit ça, ce sera bien. Ensuite, vous avez ma wishlist livresque. Donc ce sont des livres ou Jeu dangereux, j'ai le 1, mais j'ai pas la suite, donc je voudrais acheter le 2. Ce sont des livres que j'aimerais m'acheter par la suite. Donc voilà, c'est vraiment réduit, hein, parce que si je m'écoute, il y en a beaucoup, mais comme j'ai plus beaucoup de place dans ma bibliothèque, je restreins. Ensuite, nous avons le futur log, donc je ne le présente pas, hein. Vous avez la première partie qui va de février, je n'ai pas fait janvier puisqu'on attaquait en janvier, à juillet, et ici de août à janvier. Donc pareil, avec une version pro et avec une colonne perso et une colonne pro. Si jamais pour le blog ou autre, je prévois quelque chose à l'avance. Exemple ici, le 16 mars, normalement, il y a le salon du livre. Mais étant donné que ce sera les 17 ans de mon fils, exceptionnellement, cette année, je n'irai pas. Mais par contre, je me retrancherai certainement au mois d'avril avec les copines pour, alors c'est pas Creativa, mais version scrap, je crois. Donc, à voir. Donc voilà, les gâteaux de les gâteaux pour l'école à Jonah, ça doit être mis. Voilà, le mois de février, je dois aller voir Dragon avec Jonah, puisque il y a Dragon 3 qui sort. Donc voilà. Donc là, la deuxième partie. Ensuite, ici, ce sont mes objectifs. Donc je ne les ai pas encore fait puisque je trouvais que c'était quelque chose de personnel. Il y a des choses qui ne seront pas personnelles dedans, mais il y a des choses d'autres, oui. Du style, ici, je vais noter baisser ma pile à lire qui est actuellement à plus de 300 et j'aimerais bien la descendre à 250. Chose que je me dis tous les ans. Au cas où. Mais bon, cette année, je voudrais y arriver. Donc beaucoup de choses comme ceci que je vais venir installer une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Donc, janvier 2019, on attaque. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas dessiner. J'ai repris des horloges un petit peu vintage pour dire, voilà, c'est la nouvelle année, on commence une nouvelle vie. Donc du coup, une nouvelle année et un nouveau chapitre à ma vie commence. Voilà, j'avais envie de d'écrire ça, je suis restée vraiment très très simple. Donc en fait, j'ai pris cette calligraphie-là, pardon. Pour ma présentation de janvier, je vais la reprendre pour tous mes titres tout le long
de mois de janvier et je changerai pour février. Donc ici, vous avez mon mois de janvier. Donc ici, je me suis fait une manucure. Mes poses faux ongles, parce que ma fille aime bien que je mette des faux ongles, parce que j'ai des ongles pourris. Donc par moment, vous pouvez me voir avec des beaux ongles. Vous pourrez vous dire, tiens, elle a posé des faux ongles. Bref, les payes, quand est-ce que je me suis pesée? Là, j'ai marqué bye productive, parce que nous sommes aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire et je voudrais m'y mettre un maximum aujourd'hui, donc pour me rappeler. Ici, nous avons les tâches, mes achats, donc c'est les livres que je voulais acheter, mes notes diverses, les anniversaires, beaucoup de choses. Donc je remets N1 et je reprends voilà, N pour notes, donc 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ici ce sont les budgets, puisqu'il y a moi, mon fils et mon mari, et du coup, c'est pour m'y retrouver plus facilement quand je dois déclarer mes ressources. Donc voilà, ici nous avons le planning. Donc nous avons le côté personnel, le côté blog où je mets les chroniques que je pense, où je pense les mettre à la date. Donc vous voyez, je pense le faire au crayon, puisque qu'on fait ici. Donc normalement demain aurait dû être Baby Random 1. Tout compte fait, je l'ai posté aujourd'hui. Étant donné que j'ai pris beaucoup d'avance dans ma lecture, malgré le retard que j'avais pris. Et du coup, je pense le noter au crayon et valider au stylo noir quand c'est fait du style. Tuto de boîte à tester qui devait arriver aujourd'hui. Vous l'aurez que demain, puisque j'ai fait le montage, mais je ne l'ai pas encore chargé sur YouTube. Donc à moins que je le mette à charger là tout à l'heure. Je vais voir, je vais essayer. Donc ici, vous avez mon suivi, donc Facebook pour le blog, le Facebook pour le scrap, puisque j'avais fait une page scrap, mais voilà quoi, je sais pas, je pense pas la garder. Mon Instagram blog et mon Instagram scrap et YouTube. Donc au début janvier, nous étions 89, aujourd'hui nous sommes 113. J'augmente, j'espère qu'on serait encore plus nombreux par la suite, mais du moment que... J'ai des petites fidèles, je suis contente. Donc je fais un petit coucou à celles qui me postent toujours des petits coms, Ariel et Christelle. Je vous fais plein de gros bisous. C'est mes deux premières et mes deux plus... Voilà. Ensuite, on continue. Ici, vous avez le tracker pour le blog et le tracker pour YouTube. Je vais les changer pour février de style. Voilà. C'est simple. Là, c'est le titre du livre. Quand j'ai écrit ma chronique sur le blog, quand je l'ai postée sur Facebook, sur Instagram et sur le sommaire. Pour YouTube, c'est je l'ai filmé, j'ai fait mon montage, je l'ai chargé sur YouTube et je l'ai mise en ligne. Donc c'est tout simple. Ici, vous avez mon fil de lecture. D'ailleurs, je n'ai pas mis ma nouvelle lecture. Donc voilà, c'est pour suivre où j'en suis. Faut que je vienne un petit peu décorer parce que c'est un petit peu vide. Ici, j'ai essayé le tracker, ça marchait 6 jours. Du coup, c'est bon, j'abandonne, je ne le ferai plus du tout. Je traquais pas beaucoup de choses, mais voilà. Ici, vous voyez, c'est vraiment du tout simple. Je note rien d'extraordinaire. Je note les chroniques que je veux faire. Je note d'envoyer les mails aux attachés de presse quand c'est des services presse. Je note quand j'ai des colis qui doivent arriver. Je note si je dois aller boire un café, mes rendez-vous, mais je ne vais pas noter. Oui, là, je l'ai noté seul et linge, et puis c'est les seules fois où je l'ai fait, quoi. Parce que c'est des trucs qu'on fait tellement. Voilà. Oui, repassage, je note parce que repassage, j'ai tendance à le pousser. Mais voilà, c'est des choses qu'on fait obligatoirement. Ma machine à laver, je la mets en route tous les jours. Donc, d'où je ne mets pas de tracker et d'où je ne note pas. Ici, je note, vous voyez, donc là, j'ai mis comme ça, c'est quand est-ce que j'ai commencé mes lectures. Donc, je remets un petit calendrier. Donc, vous voyez, là, c'est cette semaine. C'était la semaine dernière. Hop là. Là, j'ai mis soit parce que j'attendais cette nouvelle série avec impatience. Donc, voilà. Ici, j'ai mis des petits livres. Donc, c'est pareil, ça vient des tampons. Parce que dessiner des livres, c'est même pas la peine. Donc, voilà. Ici, j'ai mis des stickers pour mes cafés. Donc, voilà. Ouais. Ici, je marque Chachou qui doit faire un live mercredi. Sauf que. Elle le fait à 13h30, j'ai rendez-vous à 14h, donc on va dire que le live de Chachou cette semaine, il va passer à la trappe. Je regarderai le replay, ce n'est pas grave. Donc voilà. Donc par contre, je le fais toujours. J'avance un maximum en fait si je vais être devant un film ou une série et que je ne vais pas faire de scrap, mais je vais avoir envie de griffonner. Je vais continuer. Je vais avancer dans mon bullet de façon à ce que pas me retrouver. Oh mince, il n'est pas prêt pour demain. Donc voilà. Parce que sinon, ça va me borner. Ici, ce sont mes mémorises de janvier.
Donc pour le moment j'ai juste marqué que j'avais eu 100 abonnés, donc j'ai pas encore marqué la date, mais j'ai dû le mettre ici, 101 abonnés, donc c'était le 10. Donc voilà, ici, donc j'ai fait cette page-ci, c'est Marvel, donc c'est pour les films, l'ordre des films de Marvel, c'est un tampon. Je vous rassure, c'est même ça, j'arriverai pas à le faire correctement sans me foirer. Du coup, c'est un tampon que j'ai utilisé. Bon, la page n'est pas top top, mais bon, au moins je vais pouvoir suivre mon avancée. Donc, les Iron Man sont passés en plus il n'y a pas longtemps à la télé. Donc là, je suis dans Captain America, que j'ai mis d'ailleurs en pause le temps de faire cette vidéo. Je la reprendrai tout à l'heure. Et donc, voilà. Donc, ensemble, on va attaquer le mois de février. Pour cela, je vais m'installer correctement. Vous pouvez voir, j'ai déjà tout préparé au crayon pour gagner un maximum de temps. Vous n'aurez pas de son puisque je vais le mettre en avance rapide, sinon cette vidéo qui déjà a presque 21 minutes va durer 3 heures. Donc je vous dis à tout de suite pour le mois de février, la mise en place de mois de...
la dernière partie de cette vidéo, j'ai fini d'ajouter tout ce que j'avais ajouté dessus, de faire des petites bricoles. Normalement, il n'y a rien de là, vraiment trop personnel. Donc, du coup, ici, c'est colorié. Donc, vous avez pu voir que j'ai rajouté le petit washi pour mon mois de février. Voilà. Ici, donc, j'ai commencé à mettre quelques petits stickers. Donc, les payes. Ici, donc, ce sera mon anniversaire. Du coup, un petit me time et le petit cinéma pour y aller avec Jonah. Ici, pour que je pense à me peser. Ici, donc, ce sera du coup les vacances. Ici, vous avez pu voir que j'ai commencé à mettre donc, L1 et L2 que j'ai répertorié ici, pardon, pour mes deux livres que je voudrais acheter ce mois-ci. Donc, les to-do et les vidéos ne sont pas encore remplies puisque je verrai bien au fur et à mesure. Je vous rappelle, nous sommes que le 15 janvier, pardon. Du coup, je remettrai ça vraiment au dernier moment. C'était vraiment la, la mise en place que je voulais vous faire. Donc ici, c'est pareil. Donc j'ai commencé à remplir un petit peu le planning avec les anniversaires. Donc je ne suis pas très très douée côté mini gâteau, mais c'est pas grave. Ici, j'ai mis une bande de washi et j'ai remis ici en disant que c'était les vacances. Voilà, ici j'ai mis au l'anniversaire, donc c'est la vidéo YouTube que vous aurez certainement à ce moment-là. Mon échange que j'ai prévu avec Brigitte. Voilà, ici aussi c'est pareil, donc j'ai rajouté un petit stickers livre ici. Je n'ai rien vraiment rajouté d'extraordinaire ici non plus. Juste un petit stickers là. Donc voilà, pour j'ai rajouté aussi, hop, comme vous pouvez le voir, les petits chiffres. Donc j'ai pris tout simplement... une planche que j'avais achetée comme ceci à plein ciel. Du coup, ça va me servir. Bon, je peux aller jusqu'à au moins 100, sûr. Après, je verrai bien par la suite. Ce que je vous ai pas montré aussi au niveau de mon bullet journal, c'est, vous allez me dire, où est l'index? J'ai décidé de mettre tout simplement l'index à la fin. Donc, vous voyez déjà ici. Là, je vais venir ajouter le mois de février avec un petit bout de washi pour me dire que... février, c'est ici. Donc, vous voyez, hop là. On voit bien ici tout ce qui est tracker. Donc, vous en avez même un là. Je peux revenir sur mon Marvel à tout moment. Le janvier et le février. Donc, nous voici, nous voilà. Le bullet journal est prêt pour le mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça me fait plaisir de le faire en vidéo pour vous. C'était une première. Pour moi, si ça vous plaît, on fera ensemble le mois de mars que j'aimerais faire dans les tons steampunk. Ça pourrait être sympa, je vais étudier ça. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre la petite cloche. Et puis, ouais, je sais, je le dis jamais. Bon, c'est... Voilà, c'est fait, c'est dit. Sur ce, plein de gros bisous et à bientôt pour une autre vidéo.